Bonjour tout le monde, ici Pika Pofkissé pour notre épisode de Paper Mario et la porte millénaire, The Thousand Year Door. Donc là, on est en train. On avait fini le deuxième chapitre. On avait la deuxième gemme et là, il fallait qu'on aille dans une cité dans les airs. Mais là, on faisait des requêtes présentement, right? Là, on avait. J'ai besoin de quelqu'un à aller sauver mon père. J'attendais à l'entrée du donjon aux 100 étages dans les sous-sols. Il faut aller là. Après ça, on va pouvoir commencer le chapitre 3, probablement. Pour ce faire, nous devons avoir des tickets. Et pour avoir des tickets, on doit... Je peux pas passer par là, anyway. Je sais pas pourquoi je m'en parle là. On doit aller parler au chef escargot, je sais pas trop. Je pense que c'est lui qui est en arrière de la maison. Pour qu'on puisse avoir des billets. Accéder aux dirigeables pour aller à la ville. Là, on va aller faire le tuyau au 100 étages. 1000 étages. Wow, wow, wow. On va trouver la paire. Je sais pas quel étage qui est. En gros, je pense que c'est pour nous montrer c'est quoi. Je peux pas y aller. Ah, il est là. Tu as accepté ma requête? Oh merci, c'est tellement horrible, tu sais. Mon papa est rentré dans le donjon au 100 étages, il n'est jamais sorti encore. Il a perdu son travail, il a dit que trouver le trésor du donjon est notre seule chance de nous en sortir. Et moi, je m'en fiche du trésor, je veux juste mon papa. Va le sauver, s'il te plaît. Let's go! Fait que le meilleur qu'on a fait, c'était 10. Fait qu'on voit s'il est plus que 10 étages. Il est pas dans le premier étage. Il doit être dans le 10e étage. Il doit être. Je pense pas qu'il soit dans si profond que ça. Ça.
Il est pas dans la deuxième. Serait-il dans la troisième? Non plus. Faire du dégât sur eux autres, à sauter. Un petit coup. À coup d'un, l'XP, là, tu montes pas vite, moi, dire. Niveau 8. Le prochain point que je mets, c'est des BP, des points de badge. Le prochain niveau. Oh, je peux faire une attaque de main? C'est-à-dire ma vie qu'il y avait? Là, on en va combattre plus que ça.
Étage quoi, moi, là? 7. C'est moins dans l'étage numéro 6. De riposte. Renvoie temporairement dans l'ennemi la moitié des dégâts directs reçus. Okay, intéressant. Il n'est pas là. Let's go! Niveau 11. On est rendu avec des Paragumbo. Paragumbo. C'est un Paragumbo. Un Gloomba avec des ailes. PC Max 7, puissance 3, défense 0. C'est un Paragumba en plus costaud et c'est à peu près tout. Je me demande s'il finit pas par rattraper de la moisissure sur les ailes à force de vivre ici. Berk, je vais même pas y penser, c'est trop dégoûtant. Oh yeah! Bingo! Max health. Qu'est-ce qu'il fait?
vous a aidé. Merci, cher gars. Niveau 12. Pas de trace de... Oh shit. Pas dans 12. Peut-être qu'on va avoir de la chance avec 13. Oh, des pookies. C'est des pookies. C'est un pookie, un cactus monstrueux dont le corps est couvert de dangereuses épines. PC max 4, puissance 3, défense 0. Regarde-moi ces épines, elles doivent faire hyper mal. Si tu sautes dessus, je te promets que tu vas le regretter. Il attaque en te lançant des parties de son corps ou en te le fonçant dessus. Tu peux aussi appeler des copains en renfort, donc traîne pas trop pour t'en débarrasser. Yes, monsieur Jean. There you go. Oh, il manque un point. Là, j'ai pas 14. Pour mettre plus de BP. Niveau 9.
J'ai 3 points. Saut tout mou. Qu'est-ce que... Manque d'un de la défense si un partenaire réussit une commande. Ça peut être bon pour eux aussi. Permet d'obtenir plus d'énergie étoile quand votre partenaire... Ok, ça prend ça. Ça, c'est bon. Puis, je peux mettre... Pour un PF, ce qui augmente les dégâts infligés par sa prochaine attaque. Je trouve que ça sert pas grand chose. Ramollir un ennemi et baisser sa défense. Ne peut pas tomber plus bas que 0. Permet d'infliger des dégâts ennemis en ignorant sa défense. Ok, je pense que c'est bon ça. On va avoir du PF, tu allez voir. Je l'ai vu. There you go. Ça, je vais faire ça, ces tuyaux-là, vers la fin du jeu. Juste avant d'ouvrir la porte. On va revenir ici. On est niveau 16, comment? Il reste 3. 4, excusez. Je sais pas compter.
Il doit être à... pas après 20, là, je veux dire. Il doit pas être loin. Un petit peu là. C'est grave, celle-là. Ah, il est là. Pour un Todd, c'est rendu loin, maudit, là. Un Todd entre cet âge sur le sol, c'est moi. Hein? Quoi? Qui es-tu? Waouh! Waouh! Est-ce que tu es venu me sauver? Vraiment, c'est un... embêté qui t'envoie, je vois. Il faut que je rejoigne en, le rejoigne en vie. Montre-moi comment sortir d'ici. C'était-tu lui qui était dans sa maison? Bravo, en avant. Avec son fils. Ok, bon, on l'a trouvé. Il nous reste deux étapes à faire. Right? Quel étage, hein?
Niveau 19, hein. Double solo, puis un. Niveau 10, compte-tu pour le trésor? Oh oh. Ah, il se multiplie, la foi. Ça va être redondant de faire ça. Ouais, attaque-moi. Je vais commencer à faire CS, mais bon. Non, on va continuer à faire ça. Je trouve un moyen de tuer les deux. Je pense que je vais faire marteau 6. Plein de cash. Ouh. Ok, dernier niveau. Let's go. Est-ce que niveau 10 est un combat ou une sortie? C'est une sortie. Oh, c'est la sortie. Je rentre à la maison, Tibi. Embêté. Bat-feu. Attaque et enflamme tous les ennemis au sol, ignorant leur défense. Hé, hey, ça va? Je suis un passeur, je connais tous les petits secrets de ce donjon. Pour quelques pièces, je peux t'emmener où tu veux. Alors, tu veux aller où? 5 étages plus bas à la sortie. Et voilà, on sauve le monsieur. Mon père était rentré! Pardon de t'avoir causé autant de soucis. J'imagine que le plus important dans la vie, c'est bien la famille et la santé, tu sais. Je vais chercher un nouveau travail. Je dois faire donner mon maximum pour mon fils. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Je te donne mon trésor en guise de remerciement. Il compte beaucoup pour moi. Mais rien n'est plus important que mon papa, alors tiens. Carte argent. Une carte de membre donnant accès au jeu mode papier au casino. Et maintenant, si tu veux bien nous excuser, et encore une fois, merci au fond du cœur. Bon, on a résolu tous les problèmes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh, j'aurais pas pesé ce piton-là. Je sais pas pourquoi je pèse ce piton-là. Hein? Je vais faire start, j'aurais pas de pèse. Patte de feu, là. C'est 3. Ça a l'air fort maintenant. Ça va être très puissant. Il reste encore 1, 2, 3, 4. Il reste encore 5 étoiles à trouver. J'avance pas aussi vite que je l'aurais pensé.
Et là, Luigi Mansion 2 sort bientôt, il sort la semaine prochaine. Moi qui joue les deux. C'est sûr que je veux jouer Luigi Mansion, c'est sûr que... J'ai pas envie d'attendre de finir celle-là pour le jouer. Au pire, je peux l'alterner les deux, là. Ils jouent en même temps, c'est pas bien grave. Right? Mais y a pas d'autres jeux après, là, sur Nintendo Switch annoncé. C'est sûr qu'ils vont avoir une présentation dans pas long, là. Impossible, y a plus rien d'autre qui sort, là, que... Me semble. Qui ont annoncé. Faut qu'il annonce la Switch 2 ou quelque chose. Ok. Donc là, ça c'est fait. J'ai plus de requêtes, je pense. Aucune requête disponible. On a fait ça. Donc là, faut aller voir le chef, ça je pense. Qu'est-ce que tu veux, idiot? T'es dans le repère des Kleptos, t'es perdu? Qu'est-ce qui amène un crétin comme toi dans un endroit pareil? Je crois pas que ce soit le tourisme. Quoi? Tu veux rencontrer ce sale voleur de gros menteur, cet informe tricheur, cet escroc de Pianteon? Les vrais brigands comme nous finissent sur la paille à cause de ce gars. T'étais au courant en venant ici? Tu savais qu'il nous réclamait aussi de l'argent pour notre sécurité? T'es au courant de tout ça et tu veux toujours que je te dise où tu peux rencontrer cette vermine? Très bien, monsieur le gros malpoli, mais ça te coûtera 64 pièces. C'est non négociable, pas de rabais, les informations, c'est précieux, c'est comme ça et pas autrement. Ok. Tu payes vraiment? T'as bien entendu. Ouais, je veux dire, bon choix, tu t'y connais en affaires, merci pour les 64 pièces. Ok, alors, ouvre grand tes oreilles. Dans la boutique de Quartier Ouest, à côté du casino Piantone, achète un champi séché puis un assom cadran. Assure-toi de les acheter dans cet ordre. D'abord le champi séché, ensuite l'assom cadran. Si tu fais ça, la gérante du magasin te demandera de couleur préférée. Là, tu réponds jaune. Ouais, c'est le mot de passe qui te donnera accès au bureau de cet idiot Piantacarla. C'est bon? T'as tout compris? Oui. Donc, un champi séché, un assom cadran, et couleur jaune. Très simple, let's go. Petite allusion à, je crois, premier Paper Mario dans le désert. Il nous fallait une certaine horde, il fallait acheter quelque chose pour trouver Mustapha, il me semble. C'est quelque chose de nouveau? Champi séché, délit gelé, pro du marteau, une collation trinitive, vraiment hein, 50 PL. Ah, tu te go! Attends, wow, y a quelque chose dans le crack? J'ai vu quelque chose bouger dans le crack. Attends, je suis pas fou. Je suis pas fou, j'ai vu des yeux bouger dans la crack. Oh non, c'est une boîte. C'était une simple boîte. Okay. Je sais que c'est eux autres ici que j'ai sauvé. Non, c'est pas eux autres. Je n'ai rien dit. Non, c'est vrai, je peux les voir à chaque jour, hein. Oh, dommage. Un champignon. Merci. Un champignon séché. Et... un assom cadran.
Oui, allons-y. Bien, monsieur. Quelle est la couleur de votre moustache? Jaune. Oups, qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé de question. Bon, reprenons. Très bien, monsieur. Quelle est votre couleur préférée? Jaune. c'est exact. Vous connaissez le mot de passe. Alors, c'est que vous devez être une connaissance de monsieur Piantone. Très bien. Je vous ai ouvert la porte. Vous pouvez passer. Merci. Je veux ça! Je peux pas l'avoir. Allez. Qui est bêtant en mousquet, sinon? Hé! T'es au bureau du clan Pianta ici. Mais dis pas que t'étais pas au courant. Si t'as rien à faire ici, décampe. Qu'est-ce que tu me veux, petit malin? Je suis pas d'humeur aujourd'hui. Si t'as un truc à me dire, accouche ou tu le regretteras. Pardon? Tu veux que je te donne un billet d'aéronef? Mais t'es un petit marin, toi? Tu serais pas humoriste dans la vie? Non, mais... Ben, pense-y. T'as du culot de même me demander ça à moi, Pianteon. Vous voulez que j'aille lui couler des bottes en béton, patron? Regardez-là, quel culot. Tu tiens pas à la vie, le petit rigolo? Tu cherches des problèmes? On se calme, mes enfants. Il a de l'aplomb et j'aime ça, et puis il est juste venu pour parler, c'est ça? C'est pas un crime à ce que je cherche. Alors, on va parler. Vous attendrez qu'on ait fini avant de lui donner une bonne leçon, les enfants, compris? Bon, j'imagine que t'as une raison pour voler un billet d'aéronef, alors explique. Quoi? Tu veux délivrer une jeune femme qui s'est fait enlever? Et pour la sauver, t'as besoin d'en ressembler des gemmes étoiles? Des gemmes étoiles? Les patrons, ça serait pas ces cossins dont ils parlent dans la légende sur le trésor? T'es vraiment un crétin, hé patron, cet imbécile croit tout ce qu'on lui raconte. C'est pas des histoires, le trésor existe vraiment. Fermez-la, vous tous. Je m'en moque pas mal que ce trésor existe ou pas, compris. Mais je vais être honnête, moi, un gars qui veut sauver sa belle, ça me touche. C'est décidé. Si tu me rends un petit service, t'auras ton billet d'aéronef, c'est correct? Une seconde, quel genre de petit service? C'est facile, un petit truc. Un tout petit truc de rien du tout. Vous voyez, ma fille, elle s'est enfuie avec l'un de mes jeunes associés. Ils ont disparu, pouf, évaporé. Mais ça va rien... Mais ça vient juste d'arriver, donc ils sont sûrement toujours en ville. Je veux que vous retrouviez ma fille, Monica, et ce piton, et que vous les amenez ici. Si vous n'arrivez pas à les me ramener, dites-moi juste où ils se cachent. Et je réglerai cette affaire en vitesse, de manière permanente. Patron! On ne connaît pas ce gars, on peut quand même pas confier ce genre d'émission à un clown. Ouais, patron, il a raison, laissez-nous y retrouver Monica. Silence! C'est parce que vous êtes pas fichu de la retrouver que je dois ravaler ma fierté et demander à ce rigolo. Vous avez quelque chose à redire à propos de mes décisions, hein? Vous avez des réclamations? Non, patron, tout ce que vous voudrez, patron. Je sais pas ce qui m'a pris, patron. Ça ne se reproduira pas, patron. C'est vous le patron, patron. Bien, ça me fait plaisir de voir qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Alors, c'est décidé. Trouvez ma fille et son ami, puis reviens me voir. Monica et Python ressemblent à ça. Juste pour être sûr que tout est bien clair, si vous retrouvez pas ma fille, vous pourriez avoir de gros ennuis. Ok, où est-ce que je cherche ça, madame? Comment je cherche ça? Ça va être n'importe où. Peut-être qu'ils sont dans le sous-sol. Ça pourrait. Nah, il serait pas là. C'est enfui, là. Tu t'en vas pas dans le sous-sol. Peut-être qu'ils sont dans le quai. Heh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 
sont encore en ville. C'est ça qu'il a dit. Je vais voir dans les quais. On sait jamais. S'ils veulent s'en aller, c'est peut-être ça la première affaire qu'ils veulent faire. Ça veut aller au quai, prendre un bateau et foutre le cancer. Ça serait logique, selon moi. Là. Ah ah! Ne vous approchez pas, qu'est-ce que vous voulez? Ça vous amuse de vous foufler près des gens comme ça? Ouais, c'est mon père qui vous a demandé de nous chercher et de nous ramener. Qu'est-ce qu'on fait, Python? Papa nous a retrouvés. Oh, je ne sais pas si le bateau devrait arriver d'un instant à l'autre. Mon petit chou à la crème, peut-être qu'on ferait mieux de revenir et de parler avec le patron. Non, Python, tu es fou, tu sais pourtant ce qu'il te fera si nous rentrons. Monica, ma crêpe au bleuet. Si on lui explique les choses façon super zen, j'en suis sûr qu'il comprendra. Oh, Python, mon Python, ne m'aimes-tu pas? Bien sûr que je t'aime, mon sucre d'orge, plus que n'importe qui d'autre dans le monde entier. Alors, partons, Python. Fillons tous les deux, jusqu'au bout du monde s'il le faut. Mais mon petit pain d'épices, ils nous ont déjà retrouvés, on peut pas passer notre vie à fuir. Bien sûr que si, Python, plus on essaie d'étouffer les flammes de l'amour et plus elles brûlent intensément. Nous nous marierons. Personne n'éteindra le brasier de la passion qui consomme mon cœur, personne. Vous voyez, monsieur, je vous en conjure, faites comme si vous ne nous avez pas vus, s'il vous plaît. D'accord. Merci, merci du fond du cœur. Vous êtes quelqu'un de bon, de bien, monsieur. Un homme honnête. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait, Mario? Il va bien falloir qu'on dise quelque chose à Piantone. Mais le truc qu'il a dit à propos d'avoir de gros ennuis, ça me fait pas trop envie. Ouais, on va peut-être dire... Oh, regarde qui voilà. Notre petite moustache préférée. J'espère que tu t'apportes de bonnes nouvelles. Allez, passe à table. Tu sais où se trouvent nos fugitifs? Je ne peux rien dire. Quoi? Est-ce que je deviens sourd? Tu viens vraiment de me dire que tu me raconterais rien? Et tu viens me voir ici pour déblatérer ce genre de bêtises, me voir moi? Est-ce que j'ai l'air d'un crétin? Je t'avais prévenu, petit malin. Bon, quand on en aura fini avec vous, on vous ramassera la petite cuillère. Papa, attends! Monica? Patron, pardonnez-moi, patron. Je suis désolé, vraiment désolé. Python, te voilà. Alors comme ça, tu reviens la tête basse et la queue entre les jambes. Non, papa, ne lui fais pas de mal. Si nous nous sommes enfuis, c'est parce que je lui ai demandé. Tout est de ma faute. Mais Python n'était pas d'accord. Il voulait venir te voir et t'expliquer. Patron, écoutez, je me fiche bien du sort que vous me réservez. C'est tout ce que je mérite pour vous avoir trahi. Mais vous devez lui pardonner. Excusez, mademoiselle Monica, patron, c'est tout ce que je vous demande. Non, papa, non. Je suis la seule responsable, tout est de ma faute. Si quelqu'un doit être puni, c'est moi. Non, patron, c'est ma faute. Je suis le seul responsable, moi tout seul. Papa. Patron. Assez. Ça suffit, silence tous les deux. Monica, ma tête de mule de fille, ça fait déjà longtemps que t'as épuisé ce que j'avais de patience. Et toi, Python? Je te considérais comme mon fils, et c'est comme ça que tu me le rends. Je suis tellement déçu parce que vous... Ouais, si, bon, c'est mal écrit. Je suis tellement déçu parce que vous venez de me dire, c'est comme avoir un champi poison dans l'estomac. Papa! Patron! Je veux plus jamais vous revoir, c'est compris? Disparaissez de ma vie tous les deux. Allez, où vous voulez. C'est ce que vous pensiez que j'allais vous dire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que je vous dis. Partez. Faites ce que vous voulez et mariez-vous si ça vous chante. Oh, papa. Papa, non, je vous le disais, patron. Merci du fond du cœur, papa. Merci pour ta bénédiction. Patron, vous allez voir, je vous rendrai heureuse, votre fille. Je vous le promets, elle ne manquera de rien.
Assez, disparaissez, je vous dis. Disparaissez! Sniff. Monica, te voir aussi heureuse, ça me rend heureux, moi aussi. Félicitations à tous les deux. Python, c'est super. C'est devenu un peu mélodramatique vers la fin, mais tout est bien qui finit bien, pas vrai? Au revoir, papa, à bientôt. Et merci encore. T'es encore là, toi? Bon, t'as retrouvé ma fille, t'as réussi à la faire revenir. Regarde-moi comment ça s'est terminé, une vraie comédie romantique. Mais bon, une promesse est une promesse, voilà ton billet d'aéronef comme promis. Yeah! Qui l'a cru? On l'a défilé de parfait amour. Elle est heureuse, c'est bien. Et j'ai tout de suite compris que tu me serais l'homme de la situation. Merci beaucoup, l'ami. Maintenant, je veux plus voir ta sale face dans mon bureau, j'ai des émotions à digérer. Ok. Ouais, c'est génial, on a réussi en route pour Yunnanville. Yunnanville. On s'en va à Yunnanville. Ce vol est la destination de Yunnanville. Il vous faut un billet pour embarquer avec nous. Et voilà. Tout semble en ordre. Souhaitez-vous embarquer? Oui. Alors, montez à bord, mais faites attention à la marche. Let's go, on s'en va. Chapitre 3. Le plus grand des lutteurs. Pas de doute, voilà Yunnanville. Tu te rends compte que la ville flotte vraiment dans le ciel? Yunnanville. Bon, on y va, Mario. Allons trouver cette gemme étoile en vitesse. Je t'ai jamais vu dans les environs. Une moustache comme la tienne, je m'en souviendrai. Écoute, si tu veux voir un combat, c'est à l'intérieur. Le bâtiment que tu vois là, c'est le Colisée. Les petites têtes, est-ce que le grand maître... Non, j'ai envie de savoir là, toi. Puissance plus P augmente de 1 la puissance de votre partenaire.
gemme étoile. Pas une gemme étoile, mais un morceau d'étoile. On est le trio des sœurs aventurières, une bande de joyeuses voyageuses en fin d'habitude. Mais ici à Yonanville, on est le trio des sœurs guerrières aventurières, une bande de lutteuses voyageuses. Ok. Bon de séjour, on va passer une auberge. Tu vois ce qu'il y a de la dog là-bas? C'est les meilleurs dogs de tous les temps, sérieusement. Mais t'as l'air plus intéressé par les combats que par les hot dogs. T'es un lutteur pro? Oh, je te soutiendrai. Je suis pas un lutteur, moi. Et là, qui est tout. Yonanville flotte au milieu des nuages. Devine pourquoi j'aime cet endroit. T'as deux essais. T'étais pas dans le premier jeu, toi. Tu es arrivé ici en dirigeable, n'est-ce pas? Tu en as de la chance. Je meurs d'envie de monter à bord, mais j'ai le mal de l'air. Comment t'es venu d'abord, c'était... Allô? Ok. Pourquoi je peux monter là? C'est pas dans le nom. Rien d'intéressant, mais. Je trouve cette cité flottante tout à fait fascinante. Oui, elle m'intrigue en plus au point. Je me demande combien il faudra débourser pour nous construire une résidence secondaire ici. Alors c'est ça, Yonanville, ce n'est pas mal comme endroit, même si le style est un peu criard. J'ai bien envie de commencer mon séjour ici par un rachat de ce kiosque à hot dog. Papa, ben, j'ai faim et je veux manger un hot dog et je le veux tout de suite. Bien le bonjour, mon cher monsieur. Suivi par les arômes de Yonanville, le meilleur d'entre eux vient des célèbres hot dogs de Mr. Zoo. Seulement 10 pièces le hot dog, en voulez-vous un? Oui. J'en 5 PC, 5 PC. Mes hot dogs ne coûtent que 10 pièces. Bon, je crois. Merci infiniment. Ça, c'est quoi? Oh, un café. Oh non, pas lui. Cette moustache majestueuse, je l'ai déjà vue quelque part, j'en suis sûr. Oui, Mario, c'est un nom que j'ai déjà entendu auparavant. Bonjour et bienvenue, nos portes sont toujours grandes ouvertes pour les fans assoiffés de lutte. Alors, sers-toi un jus frappé, mets-toi à l'aise et en profite. Ah! Je le savais. Le combat d'aujourd'hui va être grandiose. Moi, je mets tout sur Gold Hank, peu importe son adversaire. Hé, je ne t'ai jamais vu ici, tu es en vacances? Moi, je suis juste un Lekitu passionné de sport de combat à chanter. Hello, Mr. Moustache, comment se retrouve? Je suis crazy in love de la beautiful demoiselle là-bas. Quelle incredible beauté! Oh, je l'ai vu en premier. Non, merci. Ok, on va commencer ça, prochain épisode vraiment. Là. Faites le tour. Et prochain épisode, on va... rentrer dans le bâtiment principal. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à... Yawn. Soleil, il y en avait juste un. Ça va vite. Yonanville. C'est pour avoir une gemme dans ça. Donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir été à tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine !